de fidélité. On a pris le bœuf. Good. This is so good. Guys, aujourd'hui, vous allez passer toute la journée avec moi. Parfait. Let's get ready. Il fait trop chaud. It's crazy. C'est vraiment ça qui est important, qui va nous aider là. Et aussi, qu'est-ce qui est inclus dans tous les Buick? Vous avez le volant chauffant, les miroirs chauffants, du téléphone sans fil, Apple CarPlay ou Android Auto. Non, mais ils prennent super fort! On commence bien! J'adore comment on est toutes les deux pas du tout de bonnes conductrices. Mais voilà, on a confiance en nous. Bah allez, ça va. Je suis avec toi. En vrai, moi je pensais qu'on allait être toutes seules en voiture et c'est ce qui me fait peur. Là au moins, on sera à deux. Je suis plus confiante. Ah oui, non, t'inquiète pas. C'est pas toi qui conduis. Hein. C'est moi qui ai ça sur la conscience. C'est non, parti. Elle est agréable. Ouais, ah super. Mais elle a rien à voir avec la mienne, elle est beaucoup plus. On est venu au circuit de la F1 et c'est stylé, c'est la première fois que je viens ici. Là, on va partir pour le stationner. Ouais, dans le parking. Au quai, là, comme elle nous a dit. Puis après, on va y aller à pied. Après, on va manger à Place Carmin. Carmin? Ouais. Voilà. Et j'ai trop hâte de manger parce que j'ai trop faim là. J'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai trop la dalle. C'est des malades de charger 35$. Mais c'est même pas pour une journée complète, hein, c'est maximum 12 heures. C'est des fous. On est où là? Ok. Eh ben, le billet à ne pas perdre, sinon 50$. Ouais, mais t'es. C'est vraiment comme format 3, YouTube. Bien. Trop bien. Oh. Il fait 32 degrés, c'est ça? 35? Sans ressenti. Ressenti 40 degrés, j'en peux plus. 44, je ah. On est enfin arrivé au restaurant, je crève la dalle. J'ai vraiment faim. Merci! Là, on part faire un massage. Bon, là, c'est moi qui suis en train de conduire. Ah, il y a quelqu'un qui arrive derrière. J'ai l'habitude d'être une passenger princess. Je voulais vous faire un vlog, genre, de quelques jours la semaine dernière. Puis après la journée qu'on avait passée, quand j'ai conduit et tout, bah, je suis tombée hyper malade. J'ai jamais été aussi malade de ma life. Genre, depuis l'année dernière, je pense, j'ai pas été aussi malade. J'avais la migraine, j'avais envie de vomir, j'avais mal à la gorge. C'était too much, vraiment. Et là, genre, j'ai encore des tensions dans ma tête alors que ça fait une semaine, imagine. J'ai passé vraiment une semaine de hell. Vraiment. Mais là, ça va mieux. Et aujourd'hui, je vous reprends les vlogs. Parti, on a loué une voiture. C'est la première fois que je conduis, genre, pendant longtemps.
Il y avait des bouchons de malade. C'était pas du tout agréable, mais sinon c'est hyper organisé par rapport à la conduite au Maroc où c'est c'est la loi de la jungle. La vérité, si tu sais conduire au Maroc, tu vas savoir conduire n'importe où dans le monde, j'ai l'impression. Parce que c'est tellement difficile de conduire au Maroc et stressant surtout parce que t'as des gens qui sortent de ce côté, t'as des voitures qui veulent tourner de ce côté. Genre, c'est hyper stressant que tu trouves que c'est facile de conduire à l'étranger. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas conduit et pourtant j'ai trouvé ça hyper facile ici. Oui, Matcha! Matcha! Chenon! Louer la marque Bouygues, c'est une marque américaine que je connaissais pas du tout. Il nous explique un peu les options, genre à quoi ça servait. Moi, je comprenais rien. Genre, vraiment, je comprenais rien. Moi, je m'y connais pas en voiture. Tout ce que je sais, c'est que ça t'emmène d'un point A à un point B. Et moi, je peux conduire que l'automatique. Je peux pas conduire la manuelle. C'est tout ce que je sais concernant les voitures. Après, on a fait un massage. J'avais l'impression d'avoir un sugar daddy parce que c'est la marque qui nous avait invités pour passer la journée, genre à conduire et tout. Et voilà, j'ai eu un sugar daddy toute la journée. Ils ont payé pour le lunch, ils ont payé pour le massage. C'est trop cool d'être influenceuse des fois. Elle fait la mignonne. Elle fait la mignonne. Chouche. Et bien, j'ai pris quand même un Doliprane parce que je me réveille tout le temps avec ma tête depuis que je suis tombée malade. Et je suis partie à la salle, puis j'ai marché 40 minutes. Et il y a ma caméra qui s'est cassée. La caméra avec laquelle je filme YouTube. Du coup, là, je suis en train de filmer avec mon téléphone. C'est hyper bizarre. Ça me manque vraiment ma caméra. C'était vraiment un bon investissement. Je l'ai envoyée pour qu'elle se répare. Si vous achetez une caméra, achetez la garantie. I swear. Ça sert tellement la garantie. Je suis en train d'avaler mes cheveux. That was my life update. Aujourd'hui, je vais sortir avec une copine. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bien pour reprendre les vlogs. En plus, je me sens mieux. Alhamdoulilah. Et on va faire des bougies. Je me suis douchée. J'ai pris une douche. Et j'ai pas fait ma routine cheveux. Et regarde comment mes cheveux, ils ont séché. C'est dégueulasse. En fait, ma routine, elle rend mes cheveux super beaux avec tous mes produits. Même si les gens ils me disent toujours, ah, tu utilises trop de produits, mais en fait, les cheveux bouclés ils ont besoin de produits parce que sinon, regarde, là j'ai mis ma crème leave-in, mais j'ai pas mis mes autres produits. Et regarde comment c'est dry, c'est très frizzy, je dirais plutôt. J'enlève ma moustache. And some hair around my De toute façon, je vais prendre ma douche, du coup, je vais pas finir ma skincare, c'est bon. La vérité, j'ai trop faim. Faire mon avocado toast avec mon matcha. Oui, matcha, il y a quoi? Je comprends pas. Matcha, elle crie depuis depuis 7h du matin. Elle crie pourquoi? Parce qu'elle veut son pâté, alors qu'elle a H24 la nourriture, elle a H24 ses croquettes. On dirait que je te donne pas à manger, t'as H24 la nourriture, frère. Le pâté is a luxury. Le pâté, c'est quand j'ai envie de te donner, je te donne. Je lui donne chaque jour, by the way. Mais calm down. Calm down. En ce moment, j'utilise ce matcha que j'ai acheté de Camellia Sinensis. Il est bon, il est très bon par rapport aux autres matchas que j'ai goûté, par rapport à d'autres matchas que j'ai goûté. Mais les matchas que j'ai acheté au Japon, ils sont... parce que l'autre est trop chaude. J'utilise à peu près 130 ml.
j'utiliserai un peu plus de sirop d'agave que d'habitude, mais c'est très bien. C'est mon petit déj préféré, honnêtement. Si tu regardes mes vlogs, c'est une évidence que je bouffe sur mon lit. At this point, we're all used to it. I'm used to it. C'est bon. Je vis à la sauvage. Là, je vais me maquiller. Parce que, comme je vous ai dit, je sors avec ma copine. Et là, ensuite, je vais vous filmer une vidéo cheveux que je vais sûrement poster soit sur Insta, soit sur TikTok. Ça dépend si elle est trop longue. Moi, avec make-up et moi sans make-up, c'est deux personnes différentes. En fait, j'aime trop le make-up. J'ai l'impression que quand je suis maquillée, je suis plus confiante. J'ai plus confiance en moi. C'est pour ça que j'adore le make-up. Je trouve ça vraiment nice de pouvoir se transformer. Bon, genre cacher ses petites imperfections. Même si je me sens belle, hein, même sans le make-up. Mais c'est juste que ça booste plus ma confiance en moi. Ça fait quand même, je pense, un an ou un peu moins que je suis full time dans l'influence. Et même si I'm so grateful et c'est genre the best thing that happened to me. Et genre c'est pas un job qui demande genre physiquement. Par exemple là quand j'étais malade, j'avais pas besoin de demander des jours off. J'étais juste là dans mon lit. T'as cette freedom and everything. Mais c'est surtout un job qui est assez lonely, dans le sens où tu passes beaucoup de temps chez toi. Par exemple, là je suis pas sortie, ça fait une semaine, littéralement. Et pas parce que je suis malade, mais même quand je suis pas malade, je sors pas. Je rencontre pas de monde. It has its ups and downs, même si moi en tant que personne qui n'aime pas forcément sortir et qui n'aime... C'est pas que j'aime pas avoir du monde, c'est que j'aime bien ma petite zone de confort, j'aime bien mon petit chez moi. Je suis quelqu'un qui aime bien être toute seule la plupart du temps, because I'm not that sociable, même si je suis sociable quand tu vas me voir, je suis très sociable. Mais j'ai besoin de recharger mes batteries une fois que je vois du monde, tu vois ce que je veux dire? Mais still, you meet no one dans le monde de l'influence, vu que tu travailles de chez toi. Tout se fait en ligne, à part les événements. Là, tu peux rencontrer du monde. Et par exemple, cette amie avec qui je vais sortir, ben, je l'ai rencontrée dans un événement. C'est aussi une influenceuse. C'est vraiment un domaine où you're very lonely, tu vois ce que je veux dire. Beaucoup sociabiliser, il faut beaucoup se faire connaître. Avec vous, genre se faire connaître, avoir une communauté, mais aussi se faire connaître par les agences, par les clients, genre, it's two worlds, c'est genre deux mondes différents, avoir une communauté et se faire connaître par les agences, c'est vraiment deux mondes totalement différents, il faut travailler sur les deux, il faut travailler sur le fait d'avoir une communauté et aussi sur le fait de pouvoir... rencontrer les clients, de pouvoir se faire connaître au niveau des agences. By the way, est-ce que vous vous souvenez, je sais pas si t'es nouvelle sur ma chaîne ou bien the old ones, je vous avais dit que je compte voyager cette année, genre beaucoup voyager. Ben guys, premièrement, je suis rentrée de mon voyage au Japon. Je me suis dit, vas-y, je vais voyager et tout. Ça m'a pris littéralement un mois et demi pour trouver un rendez-vous de visa. J'ai toujours pas mon passeport, by the way. Ça fait depuis que je suis rentrée. Et ça fait là maintenant un mois et demi que j'attends mon passeport. Fait que je crois que j'ai gros truc. J'avais un passeport qui me permettait de voyager alors que pas du tout. J'ai un passeport marocain qui te permet pas vraiment de voyager où tu veux. Je bookais last minute. Je veux tout faire last minute, mais c'est pas possible. Ça fait un mois et demi ou deux que je cherche un rendez-vous. J'avais pas trouvé, j'avais vraiment perdu espoir. Je comptais rentrer même au Maroc pour trouver un rendez-vous. Et last minute, j'ai trouvé un rendez-vous. Et c'est galère en fait. Alors, si t'as un passeport qui te permet de voyager partout, je sais que tu connais pas cette galère, mais c'est extrêmement chiant. And I'm so jealous of you, okay? I'm jealous of you. Sinon aussi, quand je vous avais parlé de voyage, j'ai pas pris en compte que les voyages c'est extrêmement cher. Du coup, ce n'est pas arrivé parce que I'm staying here to work, to earn some money avant de pouvoir voyager. Fait que je suis pas quelqu'un qui peut voyager like backpack. Faut être un minimum à l'aise quand je voyage. Je vais pas partager une chambre avec 10 personnes que je connais pas. Genre, je vais avoir ma petite chambre privée. Like, yeah, something like this. Mais après mon voyage, genre mon voyage en Corée et au Japon, I was like, oh,
this shit is expensive. Sans mentionner qu'il peut y avoir des imprévus, du coup, il faut toujours prévoir de l'argent et mettre de l'argent de côté pendant ton voyage. Par exemple, juste mon vol du Japon vers de la Corée vers le Japon, j'ai dû booker un deuxième vol. Il y a des petits trucs qui arrivent et il faut avoir de l'argent de côté pour les petits imprévus qui peuvent arriver. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps pour avoir des visas. Je crois que j'ai sous-estimé les visas. Je me suis dit, je suis au Canada, il n'y aura pas beaucoup de monde qui demande des visas, vu que les gens, ils ont des passeports canadiens, mais pas du tout. Il y a des listes d'attente, faut prendre rendez-vous à l'avance. C'est pas aussi facile que ce que je pensais. J'ai hâte de faire d'autres plans et de sortir plus souvent. Parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps chez moi, je crois que je deviens folle. Rencontrer des gens, des humains, à part mon chat. C'est pas un humain, mon chat c'est pas un humain. Mais c'est une personne vivante. C'est pas une personne vivante. What the fuck is wrong with me? Mais anyways, je m'en plains pas. C'est juste que je vous partage comment je vis ma vie, mais je me plains pas du tout. Je me plains pas. Ça peut être sad des fois, mais j'adore ma vie. J'adore passer du temps avec moi et moi-même. J'adore être toute seule. J'adore rester chez moi et pas voir du monde. C'est trop bien. J'adore ma vie, ok? Je suis pas en train de me plaindre. I'm just sharing my life. Comme ça, you can understand me. Mon parfum préféré en ce moment. I love this one so much. On est arrivé. J'ai hâte. Oh, let's go. So nice. Par votre mélange, on va vous dire merci. Si vous avez moins d'inscriptions sur le café et la boutique, merci. Étape numéro 1, c'est remplir cette étiquette-là. What day are we? 26? La deuxième étape, c'est de coller ce petit truc au milieu. Right? Yeah, it's not coming off. Okay, it has to be in the center. Maintenant, on va choisir nos petites fragrances. On va faire travailler notre petit nez, même si mon nez est bouché. Oh my god, il y a déjà un truc qui m'intrigue, c'est la mangue. Titulututu. Oh, il y en a tellement. Ah, il y en a tellement. Un truc de super gourmand, du coup j'ai choisi le café, la mangue et la pêche. J'espère que ça va sentir bon. I hope I'm not doing something weird. Maintenant on doit partir récupérer la cire chaude pour continuer nos petites préparations. Let's go! Normalement ça doit être à 55, mais ça nous a pris du temps parce qu'on a commandé un matcha. Starts with the coffee. Je vais commencer par le café. Did you get coffee as well? Yeah. Nice. Oh,
fière d'eux. On est Spotify, vous écoutez des notes. On est. Wow. Love the smell. Yeah. Let me smell yours. Maintenant, il faut attendre jusqu'à ce que ce soit à 45 degrés pour la verser dans le petit verre. Elle est toute la nuit, j'ai C'est fini. Now we should take it to dry. Boxes. Oh, I don't know. Maintenant, on attend nos petites bougies. Drinking our matcha and Mahnour practicing her French a little bit with everyone. Un peu. Un peu. Nos bougies sont prêtes. Maintenant, on va décorer nos petites bougies. J'ai hâte de la rendre toute mignonne. It smells like mango. It's so cute. Et on la trouve pas. Je sais pas si tu aimes Thai food, mais moi j'adore ça. Et c'est l'un de mes restaurants préférés. J'aime trop. Prends d'habitude, c'est le curry panang, c'est trop bon. Je prends le pad thai crevette ou bien homard. Aujourd'hui, je vais prendre pad thai crevette, c'est incroyable. Voilà, c'est ça mes petites recommandations. Yes, it's so good. You're gonna love it. On a pris le bœuf panin et le pad thai crevette. Hard it is. I remember when I was younger. J'avais la santé aussi fragile que ça. Je suis passée à la pharmacie, j'ai pris des médicaments pour mon estomac parce que I'm dying again. Anyways. Ouais, ça me fait super bizarre de filmer avec mon téléphone parce que j'ai l'habitude de filmer avec ma petite caméra. Mais là, je vais faire une salade de thon avec des pâtes. Je suis partie à la salle de sport. Mon estomac me fait mal. Hier, je t'ai dit, mon estomac, genre, il était hyper bizarre. Mais là, ça me fait comme vraiment mal. Et je comprends pas pourquoi je tombe malade en ce moment. Et voilà, ça c'est mon repas du midi et mon repas du soir parce que flemme. Du coup, j'en ai fait beaucoup, c'est immense. Après une dizaine de jours de canicule, il pleut enfin. Genre là, il fait beau. Hein, Maïtia ? Hein, Maïtia, qui fait beau ? J'ai un meeting. Je dois interviewer quelques agents avant de choisir un nouvel agent. Vu que mon agent actuel, il quitte l'agence, malheureusement. Et ouais, I need to ask my questions au nouveau potentiel agent. Je sais pas quand est-ce que je vais éditer ce vlog. Il a l'air long, mais at the same time, vu que j'avais commencé ce vlog avant que je tombe malade et que j'ai filmé une seule journée, après je suis tombée malade pendant une semaine, I'm like, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais I'm just going for it. The Franglish. Yeah, the Franglish, yeah. Oh my god, what? But yeah, great Oster is like in beauty and like lifestyle beauty, products and stuff. So I feel like it would be very easy for me to pitch you to brands and all that. Perfect. So these are some brands that I'm not really familiar with, like I don't have a relationship with. Honestly, it's
It's perfect for me because I literally have like contacts for all these brands. Oh, that's amazing. That was one of my questions that I wanted to ask you, so you already did. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué et j'ai vlogué des jours. Je sais pas si ça va le faire, je sais pas à quoi on va ressembler ce vlog. We are working. Trying to work. Right. Réponds à Skin Fix. Oui. Ouais. Je vais demander un plus 1. Pour inviter Marie. Tu n'as jamais rencontré? Non, elle m'a écrit en plus. Elle m'a écrit, elle m'a répondu pas écoute. Bah, je voulais que tu la rencontres la dernière fois. Elle m'a vraiment dit. J'écris quoi, Léa? Bah, c'est vrai, mais je pense que c'est comme. Ça serait cool. Would be fun. I swear, I love it too. It's so good. You guys are so cute. So good. Honestly, so yeah. Worth it. The puppies were honestly so, so cute. Now we're gonna try to find the smoothie place that she has found somewhere. Yeah, it's like a smoothie place that's like Air One. If you guys know Air One smoothies. Yeah, the overpriced Hailey Bieber.
yeah. smoothies. So we're gonna go there to a place in Montreal. It's called Shaka Vibes. Okay, let me put in the address. This place. Mais sinon, c'était vraiment fun. Le yoga, j'ai trop kiffé. Okay. Yeah, yeah, Shaka Vibes, yeah, that one. It's 7 minutes drive, not bad. Mm-hmm. Not a lot. So if this dies, this is the camera. Yoo-hoo! Oh, it's so nice! Équilibre hormonal, dopamine, anti-âge. Bloom et One Glow. Okay, so drinks? Yes, as drinks, both of them. Together? Together, together. Yes. Guys, j'ai pris le Bloom et Mahnour, elle a pris le Glow. Il est vraiment trop beau. Je suis super aesthetic. Yeah, there we go. Okay. I'm gonna try it first. We're gonna do a taste test. Like, it's so good. It's so good. I feel mainly the banana. So, so good. Mm. Me too, I feel the banana mainly. Mm-hmm. What it looks like. Mm. So good. This is so good. Can I try yours? Yeah. Obviously, can I try yours? Can I try from your straw? Yeah, yeah. No, you cannot. How dare you ask me? Oh, it's so fresh. Mm-hmm. Oh, I like yours too. Mmm. No, but I love this. I see what you mean. Like, they both have that banana, like, taste. Banana then, base. Yeah. But is it worth $12? Mm. I feel like we can make it at 30. Home. And then we're like, okay, it's just the vibe. We finished our yoga class. You come class. Here for the vibe. You don't come here. We come for the vibe. No? You come here like maybe once. Dude, it's an experience. Mm-hmm. It's an experience. Pendant le cours de yoga, j'ai gardé mon. Je suis en train de regarder un cadre à l'autre. J'ai gardé mon pantalon parce que j'ai eu mes règles dans mon short. Ouais. Faut vraiment que je commence à compter parce que je sais pas quand j'aurai mes réglables. Écoute, après j'ai commencé à avoir hyper mal. Mais bon, c'était hyper fun et une fille elle m'a donné une serviette hygiénique. Et là, je suis en train de regarder un K-drama. Et j'ai commandé des cookies. Ça se voit, c'est mon premier jour de règles. C'est un cookie au spéculoos, incroyablement bon. Mm. C'est trop bon. On va commencer à faire le montage pour voir à quoi ce goût va ressembler.